Sun's up, it's a little after 12. Make breakfast for myself, leave the work for someone else. People say, they say that it's just a phase. They tell me to act my age. Well, I am on this perfect. Désolée, je suis en retard. Ouais, comme d'hab. Bon, la nouvelle postulante arrive quand? Taylor, comment tu trouves mon maquillage? J'en ai absolument rien à faire. Merci. Excusez-moi, je voulais être présentable. Je m'appelle Angelina et je suis la nouvelle postulante. Non, il faut qu'on arrête. Écoute-moi. Il y en a déjà assez qui sont morts pour ça. Il sera peut-être temps de passer au plan B. Tu penses pas? J'ai plus envie d'avoir du sang sur les mains. Et puis, tout le monde pense que c'est Ruby le tueur. Il est temps de passer au plan final. Salut Angie. Tu es déjà de retour, chérie? Ouais. Bon, on s'y remet? Oui, mais j'ai bientôt fini, tu sais. Bah ça va alors, je vais t'attendre, comme ça on y va ensemble. Ça va alors. Alors, t'as pas trouvé de produit de vaisselle? De quoi? Le produit de vaisselle que t'étais parti chercher? Tu l'as pas trouvé? Ah non, du tout. J'ai pas trouvé la cuisine. La sororité était tellement grande aussi. Ok. T'aurais jamais dû écouter cette conversation. Vous demandez sûrement pourquoi moi? Tout remonte à l'année dernière, lorsque j'ai rejoint la sororité Zeta dans l'unique but de pouvoir venger ma sœur. Vos relevés de notes sont médiocres. Vous aviez mis que vous viviez à Hollywood Girl, et la seule chose positive que je vois sur votre dossier, c'est que vous aviez écrit que vous étiez mignonne. Oui, on me l'a dit souvent. Angelina, si je peux être très franche avec vous, vous n'avez aucune chance de rejoindre notre université. C'est là que vous vous trompez, madame la directrice. Il y a beaucoup de choses que nous avons en commun, vous et moi. En premier lieu, on déteste toutes les deux les filles de la sororité. On aimerait bien qu'elles disparaissent, pas vrai? Avec le scandale qu'a fait ma sœur quand elle est morte ici, vous avez essayé d'effacer tout ça. Je peux vous dire que la presse, quand elle entendra parler de toute cette histoire, votre campus ne fera plus long feu. Mais après tout, on n'a qu'à garder ça pour nous. Je suppose que j'ai déjà mon casier personnel. Avec mon frère, Garrett, on avait mis au point un plan pour se profiler en douce au campus des Green League. Excusez-moi. Vous savez où est le bureau de la directrice ?
Oh, il est juste là. C'est gentil. Vous êtes étudiante ici ? Oui, ce sera ma première année universitaire. Alors enchanté. Moi, c'est professeur Brooke. Ce sera sûrement ton professeur d'histoire. Je donne cours aux premières années et aux troisième années. Mais j'ai pas encore rencontré la directrice. Du coup, elle est disponible ? Là, actuellement, non. Mais vous pourrez revenir demain. C'est gentil de me prévenir. Merci beaucoup. Angelina. Ça a été assez facile pour lui. Il nous a simplement fallu nous débarrasser d'un des nouveaux professeurs pour qu'il puisse prendre sa place. Je crois qu'il est mort. Pour ma part, je savais que devenir une sœur Zeta serait facile. J'ai les cheveux tout gras. J'ai trop de boutons sur le visage. J'ai un gros cul. Oh, j'ai une hépatite C. Ma première cible était Taylor. Mais hors de question de la tuer aussitôt. Je vois toujours pas pourquoi on s'amuse à écrire des mots sur le mur. On pourrait pas juste l'assommer un bon coup ? Non, il faut que cette attaque ait de l'ampleur. Faut qu'il sache qu'on est au courant aussi. Si on l'assomme juste un bon coup, ça revient au même. Ils se poseront peut-être la question. Garrett. Mais je passais presque une heure à faire ça. Tu sais, je prends une batte et en 5 minutes, c'est réglé. Tu la fermes et t'écris ! Garrett, c'était les muscles. Moi, le cerveau. Il était temps de venger notre sœur et de se débarrasser de ces pétasses de sororité en s'attaquant à la seule chose qui leur était la plus précieuse, leur code de popularité. Le plan pouvait à présent commencer. T'aurais jamais dû écouter cette conversation. Qu'est-ce qu'on fait d'elle ? Je sais pas. Je t'avais dit que je voulais plus tuer personne. Mais j'avais pas le choix. On est obligé de se débarrasser d'elle. Elle est au courant de tout. Tu as réveillé ? Angelina, on peut s'arranger. Je te promets que je dirai rien. Mais je sais que tu ne dirais rien. D'ailleurs, je vais faire en sorte à ce que tu n'en parles jamais. Demain, je dois partir avec Kyle. On part de Green Lake et on ne reviendra plus jamais. Je serai plus un problème pour toi. Et j'en parlerai à personne. Tu peux me faire confiance.
Le problème, Cherry, c'est pas contre toi, mais je peux plus faire confiance à personne. Je suis obligé, y a pas d'autre alternative. T'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Y a pas de retour en arrière. On est obligé de faire ça. Je suis désolé, chérie. Il est temps d'y aller. Je peux pas. J'ai un avenir avec Kyle, tu peux pas me l'enlever. C'est la seule façon pour que tout finisse bien pour moi. Tu auras 2 heures pour faire tes adieux à Kyle en vidéo. Et je te promets qu'il les écoutera. Ria a appelé la police. Il devrait pas tarder. Merci, Maya. Je vais vous laisser. On devait partir. Ensemble. Je sais pas qui lui a fait ça. Mais je lui souhaite que du malheur. Pourquoi tu fais tout ça, Angie ? Des gens qui avaient rien à voir dans cette histoire sont morts. La question se pose pas, c'est évident. Tu te rappelles pas de Rachel ? Si, je me rappelle d'elle. Je me rappelle très bien de Rachel. Une vraie salope. Je te laisserai pas dire du mal de ma sœur. Sérieusement, un couteau de cuisine ? J'étais en train de me faire des tartines avant de te kidnapper. Angelina, s'il te plaît. Sois gentille avec nos invités. Tu voudrais pas qu'il y ait ton ADN sur leur sang. Tu sais qu'on a un plan en tête. Oui. Attendez, si je comprends bien, tout ça, c'est à cause de Taylor ? Alors, pourquoi je suis ligoté ici ? Pour faire obtenir ce qu'on veut, Taylor, il fallait faire souffrir quelqu'un qu'elle aime. On avait besoin de toi. Alors pourquoi vous avez choisi Adriana ? Vous savez très bien que je la déteste, cette conne. Moi aussi, je t'emmerde. Il n'y avait personne d'autre d'assez proche de toi dans ton entourage. Alors c'est tombé sur elle. Pourquoi ne pas l'avoir fait pendant qu'Anna était à la sororité ? C'est ma meilleure amie. Vous avez loupé votre coup. Tu leur dis ? Anna n'est jamais partie de la sororité. À vrai dire, elle y est encore. Et désolé pour toi, Taylor, mais elle ne sera plus jamais rien faire pour toi. Ça veut dire qu'elle est morte ? Vous y êtes pour quelque chose, pour la disparition de Cherry. On était obligé de se débarrasser d'elle. Elle a entendu une conversation dont elle aurait jamais dû être au courant. Et ça nous a permis de gagner du temps. Là, il n'y a plus personne à la sororité à part vous. Ça, c'est faux. Tiffany est encore là. Je le sais, elle a bouché les chiottes il y a 1 heure. On s'est déjà occupé d'elle. Tu l'as tuée aussi ? Non, on a eu un marché. Je lui ai promis de ne rien lui faire si elle quittait la sororité, en échange. Elle pouvait partir avec ceux qu'elle voulait. Je suis vraiment trop bonne avec ce collier. Au revoir, la sororité. Ça fait plus d'1 an qu'on a ce plan en tête, et on arrive enfin à sa conclusion. Tu te rends compte ? J'ai même dû me taper Heather, ton copain. Non mais, il tient même pas plus de 2 minutes. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai hésité à le plaquer. Bref, on aimerait ton mot de passe.
maintenant. Pourquoi est-ce que vous le voulez? C'est peut-être pour publier ton historique. Ah mon dieu, tu vas te taper la honte. Non, on veut ton mot de passe parce qu'on est au courant pour les vidéos que tu fais. Tu fais ça? Ferme-la, Adriana! Taylor, alors le mot de passe? Je vois pas de quoi vous parlez. Si, tu vois très bien de quoi on parle. Comment tu pourrais être au courant? J'ai mené mon enquête. Et tu parles en dormant aussi. Pépé, s'il vous plaît. Je vous ai fait du mal. Je suis responsable de la mort de Rachel. Il y a des preuves vidéo sur mon ordinateur. On a écrasé quelqu'un l'été dernier. Avec Ezar, j'ai des fourmis à la chatte. Il est vraiment nul. Parfois, je pète et je mets ma main en dessous de mes fesses pour sentir. Ça sent tellement bon. Le mot de passe. La ferme, Tiffany. Elle est même pas dans la pièce. La ferme, Tiffany. Tout en majuscule. T'es de faute notre girl? C'était vraiment ça ton mot de passe? On aurait pu le trouver plus tôt, elle arrête pas de le dire. Je vais vérifier. Taylor. Je suis contente de passer ce moment avec toi. Je suis désolée de te mêler à tout ça. J'ai l'habitude avec toi. Angie! Tiffany, tu pars déjà? Non, je ne pars plus. Je désapprouve ce que tu fais. Je suis une sœur Zeta après tout. D'accord. Bon, ok, Tiffany, c'est quoi le plan? Quel plan? T'es bienvenue pour nous sauver, non? Non, je voulais juste vous prouver ma loyauté. On a une discussion vraiment profonde tout à l'heure, Taylor, et vraiment... Je voulais que tu saches compter sur moi. Oh, mais t'es vraiment une grosse conne! C'est bon, le mot de passe est passé. Maintenant, on va trouver la vidéo. De quoi il parle? Une vidéo de quoi? Apparemment, Taylor fait du porno. Non, bande de connes. Une vidéo d'aveu. J'ai avoué avoir tué Rachel sur une de mes vidéos. Tu as quoi? J'ai avoué avoir tué Rachel. Mais c'était pas un mec qui avait tué Rachel et toutes les autres il y a 2 ans? Si, en principe, c'était lui le tueur. Mais pour ce qui est de Rachel, c'est assez compliqué. La voilà. Il y a 2 ans, lors d'une soirée, Rachel a tenté de me tuer. Je suis plus sûre de le faire. T'étais d'accord il y a un moment. Pourquoi tu te dégonfles? On est sur le point de commettre un meurtre. Stacy, on se l'était promis. C'est ce soir. Son règne a beaucoup trop duré. Alors t'es avec moi ou est-ce que tu te dégonfles? Rappelle-toi de ce qu'elle t'a fait. Elle est sortie avec le mec que tu aimais juste pour te faire souffrir. Je sais aimer. Non, Stacy. Ça va beaucoup trop loin. Et elle s'arrêtera pas. Alors il faut agir. Et si t'es plus avec moi, j'espère que tu répéteras pas. C'est bon. Je suis toujours dans le coup. T'es sûr de toi? Aucun regret? Mon seul regret, c'est de m'être inscrite dans cette sororité. Je me disais bien. L'un de ces deux verres est empoisonné. Celui de droite,
contient deux cuillères de morora et du spontex. C'est pas le médicament qui sert à se déboucher le trou de balle? Ouais, on va la tuer, mais j'aimerais bien qu'elle chie sa mère avant. Celui-là, il est pour moi. Ça nous permettra de pas paraître trop coupables. Ok. On ferait mieux d'y aller. Si les autres se rendent compte qu'on est parti trop longtemps, ils vont avoir des doutes. Salut Rachel. On se revoit ce soir. Ouais. Ma sœur est morte ce soir-là. Et c'est ta faute. Je dis ça, je dis rien, mais à la base, c'est Taylor qui aurait dû mourir. Elle n'a fait que se défendre. Elle n'avait aucune raison d'échanger son verre. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle voulait tuer Rachel. T'as rien à dire pour ta défense? Elle a perdu la vie et c'est ta faute. Je savais très bien ce qu'elle était sur le point de faire. Si je l'avais pas stoppée, ta sœur serait actuellement en prison. Ou peut-être même morte. Ça, tu peux pas le savoir! Ok, maintenant on va passer à la suite. Taylor, il est temps que tu fasses d'autres aveux. Tu vas avouer le meurtre de Anna, de Iris, de Sherry. Et aussi du gay qu'on a tué. Je les ai pas tués. On sait, mais on veut justement pas se faire prendre. Alors si tu veux coopérer, il serait peut-être temps d'agir. On n'a pas fait tout ça pour finir en prison, hein. Non. Psst. Avant de la filmer, je vais enregistrer tes vidéos pour être sûr qu'on ne les perde pas. Fais comment déjà? Faut les mettre dans la corbeille et ensuite supprimer. Tu nous prends vraiment pour des cons? Merde. Comment je les récupère maintenant? Attends, tu t'es fait avoir? Je te rappelle que j'y connais rien à la technologie. T'es professeur à l'université! Non, c'est une couverture et tu le sais très bien. Ok, Taylor, tu n'as qu'à refaire des aveux. C'était ta dernière réunion de Sœurs d'État, Angie. On se barre! Hé, mais me laissez pas ici! Rattrape-les. J'en ai marre de courir. Je vais la buter. Me laissez pas toute seule! Ne me touche pas, j'ai un couteau. Ça te rappelle rien? Oh! Putain! J'ai fait une chirurgie à mon nez, c'est pas pour qu'il soit dégommé! Vous allez payer pour avoir tué notre sœur. Moi, j'ai rien fait, Rachel. C'est à cause de cette sororité à la con qu'elle est morte. Les gens comme vous méritent tous de mourir. Comment ça, les gens comme moi? J'y peux rien si t'es pauvre. Je te rappelle que t'as besoin de moi vivante. Tout ce que je veux, c'est venger ma sœur. Alors vivante ou non. Putain, mais qui laisse des couteaux partout dans la maison? Je suis vraiment qu'une grosse conne. Ça, c'est pour m'avoir fait rater mon examen parce que je couchais avec le concierge. Tiffany, où est-ce que tu as eu ce flingue? Après l'attaque au centre commercial, fallait bien que je me défende, non? J'allais pas rester ici sans rien. Merci de m'avoir sauvé. Pose ça avant de faire plus de dégâts. C'est bon, je sais comment m'en servir. Oh! Merde! Oh, baby, do you know that's what? Ooh, heaven.
c'est ainsi qu'Angelina et son frère furent arrêtés. Ce jour-là, tout le campus était abasourdi. Et dire qu'il s'agissait du professeur. Les sœurs Zeta ont eu beaucoup de mal à se remettre de toutes ces histoires. Elles ont dû aller voir un psy. Je lui ai tiré dessus. Et le pire, c'est que j'avais envie de le faire. Aucun remords après tout ce qui s'est passé? Non, du tout. Vraiment aucun? Si, peut-être. J'aurais dû m'habiller autrement lorsqu'ils m'ont pris en photo pour la presse. Moi et Taylor, on cote ensemble. On compte finir l'année comme ça. Eh bien, je suis impressionné. On pourrait dire que tout est fini. Je sais que j'ai pris du temps à le faire, mais avec tout ce qui s'est passé... Ce n'est jamais le cas. J'ai eu d'autres préoccupations. Non, je comprends. Et je trouve ça vraiment malin d'avoir mélangé les deux histoires ensemble. En même temps, ce qui s'est passé avec Angie et Garrett, ce n'est qu'une séquelle de ce qui s'est passé avec Rachel, il y a 2 ans. Je vois. En tout cas, merci à toi. Tu as peut-être réussi tes examens de cette année, rien qu'avec ça. Alors, je peux rester dans le club de journalisme? Bien sûr, Vanessa, je ne t'avais jamais interdit d'y rester. Merci. Pas de quoi. Bon, je vais te laisser. J'avais juste une question avant. Je t'écoute. Pourquoi est-ce que vous m'avez demandé de rédiger tout ça? Vous avez essayé d'étouffer l'affaire il y a 2 ans, vous vous rappelez? Ça, Vanessa, ce ne sont pas tes affaires. Je peux toujours y rajouter le fait que vous avez manigancé avec Angelina toute cette année. C'est à vous de voir. Je compte l'utiliser pour raconter tout ce qui s'est passé. D'une façon où le campus ne serait pas mis négativement. Et vous faire des bénéfices avec, c'est ça? Avec la mort de tous ces étudiants sur la conscience? Ma chère Vanessa, quand tu grandiras, tu comprendras. Les affaires sont les affaires. Et tu deviendras comme moi plus tard. Ça, j'en suis pas sûr. Au revoir, Vanessa. On se voit la semaine prochaine. Oh, et j'aimerais bien récupérer mon ordinateur. Oui, vous l'aurez. Sans faute. D'ailleurs, vous n'avez rien trouvé dedans? Vous parlez de votre ordinateur? Non, juste la vidéo de Thierry. On n'a pas pensé à regarder plus, et puis c'est pas nos affaires. Je vois. Passe une bonne journée, Vanessa. Au revoir. J'arrive pas à croire qu'elle soit comme ça. Pareil. Je savais que la directrice manigançait, mais... à ce point-là... C'est pas rassurant, surtout pour la sororité. Ça va, la sororité, c'est plus trop un problème pour moi. Alors c'est fini? Tu veux plus revenir? Même si je voulais revenir, Adriana n'a pas trop envie que moi et Taylor on y retourne. Et puis, on s'y est fait, elle et moi. On est en côte et ce sera comme ça jusqu'à la fin de l'année. Ok, bah écoute, tant que tu t'y plais, ça va faire un peu vite sans vous. Vous étiez les seules filles intelligentes de la pièce. En couple avec l'une de ses filles, je te rappelle. Ouais, mais on sait tous que Brie n'est pas une lumière. Et à la sororité, ça se passe comment? Les filles ont eu du mal à s'en remettre de tout ça. Elles ont eu des séances de psy ces dernières semaines. Et ont abouti à pas grand chose. Et j'ai l'impression qu'Adriana a quelque chose en tête pour la sororité. C'est inquiétant, mais... j'ai pas trop envie d'y penser. Il y a assez de problèmes cette année, non? Oui. Je trouve ça dégueulasse. De quoi? À propos d'Angelina. Après tout ce qu'elle a fait,
elle a été libérée. Oui, j'ai entendu l'histoire. Son frère a pris tout sur lui et elle a été jugée non coupable. Du coup, elle a rien eu. Elle s'en est sortie. Maintenant, je sais pas si elle arrivera à vivre avec ce fardeau. En tout cas, c'est sûr qu'on ne la reverra plus à la sororité. Les filles ne veulent même plus la voir. T'es sûr que ça va? Je pensais à des choses. Tu pensais à Kyle? Un petit peu quand même. Il me manque un peu. On s'était mis en contact avec tout ce qui s'est passé et... on était redevenus amis. Mais il est parti. Ça va, il t'envoie encore des messages. Oui, mais... il est plus vraiment là. Il est avec l'agent Julie. Sur des enquêtes. Après, il réalise son rêve. Bon, assez parlé de moi. Et toi, avec Brice, ça se passe comment? On va au ciné tout à l'heure. On va voir un film d'horreur. Je suis contente pour vous. Tu sais, Brie n'a rien contre toi. Hein. Si tu veux passer du temps avec nous deux, t'as qu'à demander. Oui, je sais. Mais faut que je m'y remette un petit peu. J'ai pas envie de rater mon ami. C'est comme tu veux, mais t'es la bienvenue. Maya, tu viens? Salut Vanessa. Salut. Je les accompagne au ciné. J'avais envie de voir le film aussi, tu veux venir? Pas aujourd'hui. Mais on peut se refaire une sortie un autre jour si vous voulez. Là, je suis un petit peu concentré. Comme tu veux. Brie et moi, on t'attend dans la voiture, Maya. Ça va. Bon, je vais y aller, je te laisse. Disons que Brie est un petit peu dans sa période, c'est pas le moment. Ah, là, c'est... non, pire, période des soldes. Si je reste trop longtemps toute seule, sa carte bancaire se vide très vite. Bisous, Vanessa. À tout à l'heure. Salut, Maya. Cathy? Ça faisait un bail, Vanessa. Comment ça se fait que t'es de retour à Greenwich? Je pensais que t'étais partie. Ben, disons que je suis revenu. J'ai trouvé un poste à la bibliothèque. Tu sais, on n'avait plus de nouvelles de toi. On pensait que t'avais fait ta vie ailleurs. Et on t'en veut pas? Non, c'est normal. Mais j'ai arrêté mes études. Désolé pour toi. T'étais plus motivé? Non, pas ça, c'était pas pour moi. Et puis, je préfère travailler et gagner de l'argent. Je t'avoue, je demande pas plus dans la vie. T'es bibliothécaire ici, alors? Ouais, depuis quelques jours. C'est bizarre que je te croise qu'aujourd'hui. Oh, c'est normal, j'étais occupé. J'avais un projet à faire et j'étais plus trop ici. Mais normalement, je passe tous mes après-midi ici. Alors, on se verra souvent. Bon, alors raconte, il s'est passé quoi? Parce que je t'avoue, j'ai entendu plein de choses, mais je suis pas aux nouvelles. Il y a énormément de choses que tu dois savoir. Genre vraiment. Tu sais quoi? Je t'invite à boire un verre et on en parlera. D'accord, mais il faut juste que je prévienne Taylor. Elle va pas en revenir. Taylor est encore là? On a qu'à l'inviter. Elle a beaucoup changé. Je finis bientôt mon service. T'as qu'à appeler Taylor et comme ça je vous invite toutes les deux. Je vais lui sonner. J'arrive pas à croire que tu sois de retour. Et tu deviens quoi alors? Pour l'instant, juste le travail à la bibliothèque.